Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce mois-ci pour une nouvelle dégustation chez Cavissima et ce mois-ci une petite balade dans le beau sud-ouest, une région à découvrir qui nous offre une énorme diversité de terroirs, de cépages et ce mois-ci nous sommes dans la région de Bergerac en Dordogne avec le domaine de la Tour des Jambes de la famille Conti, c'est un domaine familial depuis des siècles maintenant. Avec une cuvée qui s'appelle les Anciens Francs. C'est une cuvée issue de cépage Cabernet Franc 100% et nous allons déguster ensemble le millésime 2015. Donc ce sont des très très vieux Cabernet Franc plantés sur des sols très calcaires pour la partie un petit peu technique. Millésime 2015, un mot sur l'année aussi, millésime chaud en France un petit peu partout. Donc dans les vins se retrouve souvent un petit peu plus de puissance que d'habitude, un peu plus de soleil aussi, ça se ressent sur la gamme aromatique. La couleur typique des Cabernets, dense, assez noire, plutôt profonde, hein, sont des cépages très colorants. Donc évidemment le vin est très jeune, ça se traduit par une intensité plutôt forte. Le nez est déjà ouvert, expressif. On retrouve évidemment le caractère du millésime. Des fruits très très mûrs s'expriment au nez. On sent que cette année-là, il n'y a pas eu de problème pour les maturités des raisins. Pas trop d'élevage. On est sur effectivement un vin qui exprime davantage le fruit, ces fruits noirs très très mûrs, presque écrasés, assez séduisants avec plutôt une belle intensité. La bouche est ample, charnue, le caractère un peu solaire du vin et cette puissance enrobe la trame de tanin encore bien serrée dans le vin, mais d'une grande qualité, donc, qui témoigne de l'âge des vignes et de la qualité du terroir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va attendre un peu plus de volume et de longueur sur ce vin, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais toute la matière est là pour faire un grand vin de garde, donc on va vous conseiller d'attendre 2021 pour le début de la dégustation, jusqu'en 2028 environ pour la fin, parce que on devine un potentiel qui mérite d'être un peu patient et de laisser les bouteilles tranquillement dans vos caves. Ça fera de jolis accords avec des viandes qui ont du goût. N'hésitez pas à cuisiner un peu d'agneau, une viande avec un peu de gras pour venir atténuer la structure des tanins, pour amener aussi cette force dont le vin a besoin. Ça peut être des viandes aussi comme le canard, puisqu'on est dans le sud-ouest. Ce sont des viandes comme ça qui peuvent, par leur côté salivant, rappeler cette texture, ce vin qui déjà est très salivant. Donc ça peut faire des accords très très gourmands. Voilà, donc beaucoup de plaisir aujourd'hui pour moi à partager cette jolie bouteille de ce grand domaine de Bergerac. Un domaine qui travaille en agriculture biologique et en biodynamie, qui s'est orienté vers un respect de l'environnement, une écoute de leur terroir. Et c'est une des nombreuses cuvées qu'on a choisies pour vous et qu'on a envie de vous faire partager. On vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à bientôt.